C'est pas la peine, j'y arriverai jamais. J'abandonne. Hey Ace, faut que je te raconte un truc. Un jour, j'ai vu un joueur faire une feinte incroyable à la télévision. Alors je me suis pointé ici, sur le terrain communal. Ici? Eh oui, je viens de ce quartier, mec. Mais bon, donc, j'ai répété cette feinte pendant des jours et des jours. Alors combien de temps ça t'a pris pour bien la maîtriser? C'est ça le truc, j'essaye encore. Toi? Tu y es jamais arrivé? Eh non, mais j'ai pas abandonné l'idée. Un de ces jours. J'arrive pas à croire que tu aies démarré ici comme moi, Shakes. Pourtant, c'est le cas. Super Strikers! Je sais pas pourquoi je reviens toujours ici. Hein? Mais c'est pour quoi faire? Personne t'a dit? On va démolir cet endroit. Le démolir? Non! Mais... enfin... je... mais qui ferait ça? Invincible United a racheté le stade communal. Et maintenant, Vince et Scara sont sur le point de le démolir. Oui, mais... ils vont peut-être en construire un plus beau pour les gosses, non? Non, ils veulent construire un centre de remise en forme pour riches athlètes. Hé, hey, tu sais combien ils prendront pour une manicure? Elma t'adore. Ok, ok, c'est vrai que c'est terrible. Je peux partir en vacances maintenant? Le conseil de Tonton Cool Joe est: reste cool quand tu passeras la télévision ce soir. Ouais, que personne ne te parle du stade communal, ni du fait que Vince est sur le point de le détruire. Hein? Ok, bonne vacances. Il a raison. Prenez du bon temps et reposez-vous. On se voit dans une semaine pour le match amical des All-Stars. Je suis sûr qu'on va bien s'amuser. La semaine prochaine, les Super Strikers affrontent les All-Stars, une sélection des meilleurs joueurs de la Super League. Notre invité du jour va nous parler de ce match amical. Ok, on reste cool. C'est un joueur qui fait passer le football pour un jeu d'enfant. Vos applaudissements pour Shakes! Salut! Salut tout le monde! Merci, Rob. Alors, Shakes, le match contre les All-Stars. Les 11 meilleurs joueurs de la Super League affrontent... les All-Stars? Elle est bien bonne. Sérieusement, Shakes, beaucoup pensent que vous ne pouvez pas gagner ce match. Les All-Stars jouent très bien cette année, mais nous sommes tous là pour nous faire plaisir. Le résultat importe peu, vraiment. Ce qui compte, c'est de faire plaisir à nos fans. Puisqu'on parle de plaire aux fans, nous avons un invité surprise. Vraiment? Non seulement il s'agit d'un joueur acclamé qui jouera avec les All-Stars la semaine prochaine, mais son équipe a talonné les Super Strikers durant toute la saison. Mesdames et messieurs, le capitaine des All-Stars, Scara! Moi! Moi! Toi! Comment ça, moi? Toi! Lui? Je pensais vous inviter tous les deux pour nous parler du match. Reste cool. Que puis-je dire, Rob? Les All-Stars vont tout simplement balayer les Super Strikers. Non mais vraiment, un centre de remise en forme. Les All-Stars n'ont jamais perdu un match. Voilà peut-être ma chance de renverser la situation. Les Super Strikers n'ont pas la moindre chance. Tu es bien sûr de ça, Scara? Oui, sûr et certain. Sûr comment? Sûr à 500%. Ok. Assez sûr pour jouer le stade communal sur ce match? Hein? Scara, à quel point vous êtes sûr de vous? Pas de bêtises, Scara. Tu plaisantes, là? Pourquoi? Tu as peur? Non! Ok. Parais tenu, alors. Très bien. Le match se termine à 16h. On va le gagner et ton stade communal va faire... boum! Wow! Eh bien, on dirait que le match amical est devenu, comment dire, beaucoup moins amical. Pourquoi te mettre dans cet état? Si ça te pose réellement un problème, on peut juste revenir sur notre promesse. Mais on ne pourra pas! Tu as fait une promesse en public à la télévision! On deviendrait tout de suite la risée de la Super League! Vince, ils n'auront le centre que s'ils battent les All-Stars de la Super League! Et ça, c'est simplement impossible! Ils vont seulement se ridiculiser! Je le sais, tu le sais, et Shakes le sait! Assure-toi simplement que les All-Stars ont vraiment envie de gagner. Vraiment, très envie.
Shakes, alors que vos coéquipiers sont tous en vacances, n'est-ce pas le mauvais moment pour lancer un tel défi? Pas de commentaire. Quel entraînement spécifique les Super Strikers vont-ils entreprendre cette semaine? Nous serons prêts. Les gars, vous êtes tous avec moi? Ouais! Oh, dis donc! Pas ta meilleure prestation, mec. Ça paraît drôlement vite sans les autres joueurs, hein, Shex? Ce serait quand même beaucoup mieux s'ils étaient là pour s'entraîner avec toi. Ouais, merci de me le rappeler, Spence. Tiens, j'ai un meilleur exercice à te proposer. Entraîne tes pouces. Désolé, je suis en vacances. Pas la peine de laisser un message, je vous rappellerai pas. À bientôt. Salut les garçons et filles. Je passe de super vacances en Indonésie à surfer comme un malade du matin au soir sous les tropiques. Salut, c'est Cool Joe. Cool Joe, il faut vraiment que vous reveniez, les gars. Vous pensiez vraiment que j'allais répondre en vacances? Laissez un message. Et de ton côté? Rien. Je crois que t'es tout seul sur ce coup. Je veux vraiment remercier Ninja et les Cosmos de nous laisser nous entraîner ici pour le match contre les Super Strikers. Merci à vous, les gars. Aucun problème. Notre jeu de maillot des All-Stars vient juste d'être livré. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire que je suis honoré d'être votre capitaine. Vous formez une équipe de légendes vivantes. Au cours des derniers mois, nous avons été des adversaires, mais la semaine prochaine, nous allons nous unir pour vaincre notre ennemi commun, les Super Strikers. C'est juste un match amical. Et si vous aviez besoin d'une incitation supplémentaire pour tout donner sur le terrain? Alors sûrement qu'une nouvelle voiture de sport fera l'affaire. Avec les compliments de l'invincible United. Pop, pop, pop. Seulement après la victoire. Wouhou! Les Super Strikers sont les meilleurs! Vous n'avez aucune chance, les All-Stars! Allez, Shex! Allez, Shex! Ça sert à rien. Je peux pas y arriver tout seul. Shex, mort. Captain, les gars. C'est vraiment pas le moment de se laisser aller. Alors, vous me l'avez trouvé ce téléphone? Le gros téléphone rouge, monsieur? Installez-le dans ma loge à Strikeland. Ce sera ma ligne directe pour la démolition. Bien, monsieur. Et ensuite? Le match termine à 4 heures. Les All-Stars auront gagné. C'est à ce moment exact que je vous appellerai depuis ce téléphone. À vous qui serez au centre communal et que je vous donnerai vos instructions. La démolition pourra commencer. À ce moment-là, les engins seront prêts à attaquer. Quelques minutes après la fin du match, le centre communal ne sera plus que ruine. Wow! Les All-Stars forment vraiment une sacrée équipe! Oui, les meilleurs joueurs de la ligue, dans la même équipe! Et nous avons l'expérience nécessaire pour les battre. À un moment donné cette saison, nous avons dominé chacun d'entre eux. Oui! Vous vous souvenez de ce match contre de Los Santos au Mexique? Et comment on s'est inspiré du style de jeu brésilien pour dominer Donaldo? On s'est même mis sur orbite pour affronter Meda. Et on a battu Liquido dans son stade flottant contre Hydra.
Hubert. Et Scara. On l'a battu, lui aussi. Si une équipe peut vaincre celle des All-Stars, c'est bien nous. Ouais. Ouais. Hein? Waouh. Du coup, il y a des tas et des tas de gens qui comptent sur nous, les gars. Génial. Le match d'aujourd'hui ne rapporte pas de points en Super League, mais à en voir tous ces spectateurs, ce pourrait être le match de tous les dangers pour Shakes. À exactement 16h, en supposant que les All-Stars gagnent, les bulldozers commenceront à exécuter les instructions de Vince. Depuis sa ligne directe dans sa loge à Strike Island, il sera en contact permanent et en temps réel avec son équipe de démolition. Ils ne vont pas perdre de temps, on dirait. Jour de match à Strike Island, avec une pression supplémentaire ce soir, mes amis. Car non seulement nous allons assister à un superbe match des All-Stars, mais Shakes a lancé un véritable défi aux meilleurs joueurs de la Super League afin d'essayer de sauver son stade communal adoré. Essayez bien le mot-clé, Mac. À 16h, si les Super Strikers n'ont pas gagné ce match, le stade communal en question sera transformé en un amas de gravats. Du fait de ces circonstances particulières, nous avons dépêché une de nos équipes sur place. En plus de nos moyens habituels pour suivre le match, voici Vince dans sa loge, ici à Strike Island. Il semble que les Super Strikers se soient spécialement préparés pour ce choc des titans. Tout à fait, ce match amical s'est transformé en une véritable compétition pour pas mal de gens. Allez! C'est bien ça. Il y a 11 voitures de sport, une pour chacun d'entre vous. Les Super Strikeuses se sont fait surprendre par l'improvisation de Donaldo. Oh, et voilà que Meda fait admirer sa célèbre technique aérienne. Les All-Stars ont la haute main sur la rencontre. But ! Magnifique frappe de la part de Donaldo. Oh, on dirait que les Super Strikers lui servent la victoire sur un plateau. Oh. Mais quelle idée! On ne peut pas battre l'équipe des All-Stars. Oh. Shakesmon, tu dois assumer le défi que tu as lancé. Ouais, mon frère. Nous sommes plus qu'une collection de bons joueurs. Ouais, et je suis certain qu'on va trouver le bon rythme pour remettre les pendules à l'heure avec ces gugus. On t'aime. Quoi? On est tous ensemble avec lui, non? Nous sommes des frères dans cette mission afin de jouer le meilleur football de l'histoire. Et sans ce stade communal... Pour entraîner les futurs Shakes et les futurs El Matador, nous n'aurons pas accompli notre mission. Cette saison, notre niveau de jeu a été exceptionnel. Servons-nous de notre expérience pour faire en sorte que ce stade communal ne devienne jamais un centre de remise en forme. Merci, mon frère. Ouais, je me suis déjà trouvé une bonne manicure. Rien n'est impossible, Shakes. Toute ton équipe est avec toi. 1, 2, 3, Super Strikers! Face à l'expérience combinée des All-Stars, les Super Strikers vont avoir besoin d'un miracle pour gagner ce match. Ha, 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 ha.
Les hommes en rouge nous livrent quand même une superbe performance. But ! Oh là là, personne ne s'attendait à ça. Quelle action ! Ouais, ouais, voilà, ça c'est du football. Non ! Les Super Strikers lancent leur dernière force dans la bataille. Il ne reste que 2 minutes à jouer et un match nul ne sera pas suffisant. Plus que 2 minutes, les Super Strikers. Et alors, vous pourrez dire adieu à votre stade communal. Mais... c'est pas la peine de jouer comme ça. Du temps additionnel. Il nous reste une chance. Le match se termine à 16h. On va le gagner. Et ton stade communal va faire... boum. Hein? Non, il ferait pas ça. Il a intérêt à attendre que le match soit terminé. Quoi? Hein? Oh! Il ne va pas attendre le temps additionnel. Plus qu'une minute, les Super Strikers. Puis tic, tic, boum. C'est maintenant ou jamais. Ce serait le bon moment de tenter l'impossible. La démolition peut commencer. Oh ! But ! Oui ! Shakes a gagné son pari ! Il a gagné le match et sauvé son stade communal ! Mac. Oh. Vince a appuyé sur le bouton à 16h pile. Non. Nous donnons maintenant l'antenne à notre équipe au stade communal. Je ne peux pas voir ça, Brenda. Ils ont vaincu une incroyable équipe des All-Stars et sauvé ce stade communal si important pour Chips. Comment? 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 Comment on a réussi un tel exploit? Hé, hey, hey, maman, c'est génial, hein? Spenza. Non, il faut que je te laisse. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de ce téléphone. Donnez-moi ce téléphone. Allô? Allô? Trop tard, mon gars. On a gagné. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu veux voir un vrai travail de démolition? 1, 2, 3, Super Strikers!